Et qu'est-ce que ça veut dire du coup AFTC? Alors, t'as deux interprétations. T'as l'interprétation aérial RTC, donc tu es RTC avec un aérial. Okay. Et t'as l'interprétation hard corner aussi. Genre le coin de là. Ah. Okay. Essayez de. Ouais, d'accord. Ok. Et... Oui, c'est pas automatique du tout. Genre, c'est vraiment pas automatique les RTC. C'est, ah non, non, c'est trop dur, putain. Ah ouais, c'est trop la flemme, c'est chiant en plus. C'est pas très amusant à faire. En plus de. C'est dur. Moi j'aime bien, mais. Tu vois, j'étais plus ça voulait dire pour RTC, mais. Ah, bah on a gagné, merci Kuma, on a gagné une troisième interprétation. Non mais c'est bon, je te canonise ton interprétation. Ça passe, j'aime bien. Hop. Directement, Tyrann commence avec 69%. Tyrann, il aime plutôt bien jouer contre Clotilde. Je pense qu'il doit avoir l'habitude de jouer. Ouais. Même si j'ai ça, je commence à avoir fait genre. Je sais pas, une dizaine de wiki. J'ai toujours pas pensé contre Kirby ni contre Tyrann. Non, bah c'est les mystères du ceiling ça. Si j'ai joué une fois contre Kirby, parce qu'on a fait une poule. Un round robin avec tout. On était neuf, non, mais tout comme ça. C'est la seule fois où j'ai pu affronter Kirby. Mais c'est pas comme ça, j'ai même jamais fait une seule game de plus contre Kirby. Ah oui, d'accord, carrément. J'ai plus joué contre toi parce que j'ai déjà trouvé un grand game il y a un an et demi. Ah oui, donc ça commence à monter là. Et je pense que c'était toi. Ça s'appelait comment? Ah c'est moi. C'est déjà un an et demi putain. Quoi? Déjà un an et demi depuis que j'utilise ce tag sur les netplays là. Ouais je pense hein. On se fait vieux hein. Ça fait plus d'un an ouais. On se fait vieux. Ah putain, il s'est bédouillé ça top. Enfin bien joué à Kirby mais... Il avait un bon lead et puis Bah ça c'est pas le problème. Le Kirby tout ouvert il a pris la stock très très vite parce que le punish de Peach faut respecter. Moi j'ai hitté vraiment pour le faire que c'est un autre terrain. Ouais bon. J'irai pas jusque là. Le perso il est, franchement c'est le meilleur perso en friendly. Top 1 ou 2 du jeu. Mais en tournoi c'est un autre parce qu'il y a des petits qui arrivent. Ouais, je sais pas si je l'aurais osé. Mid-tier sur la tête. Mid-tier, t'acceptes? Oh, quand même, ça va. Mais Garat, ça fait partie des gens qui donnent l'impression que c'est pas un mid-tier et qu'il est meilleur que ça quand même. C'est un compliment très mignon. Et je trouve qu'il est. Je trouve qu'il est étonnamment constant pour un Falcon. Ah ouais, c'est vrai que le perso est pas facile à jouer parce que quelques erreurs et puis tu perds ta stock. Enfin, une ou deux erreurs, parfois tu perds ta stock. Donc, bien à jouer. Ouais, bien sûr, dis-moi. 2-0. Tu étouffes. 2-0. Oh god! Oh god! Oh my god! T'as réussi à la barre pour Falcon Chick? Ça, c'est la session, ça. Oh non, les SD de Kirby! Et les SD, quand t'as 8 stocks pour jouer, essentiellement en. Enfin, 8 stocks à perdre, ça fait beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé quand même tout à l'heure, donc on sait que les gens sont vraiment stock 1 genre ils sont en vide. Ah, la game 3? La game 3? Non, la game 3. Ah, game 3 aussi?
Bah game 3 il m'a 0 to death mais sur 2 stocks parce qu'il s'est resté une stock. Merde, j'avais pas vu le. Je regardais pas pour le début de game 2 et 3 quand même. Mais ouais, game 1 ça a démarré par. Non, assez vite il a sauté dans le vide et t'as mis un petit wiki pour le. Ouais. Pour empêcher de revenir ou comme ça. Pour, ouais. Et tu sais, parfois il y a les voix dans ta tête qui te. Qui prennent le dessus, tu vois. Ouais, je vais comprendre. Allez, ça va être trop. 69, 69. Oh putain, c'est déjà fini. Ok, lève trop. Oh, lève trop qui l'a démoli. Allez, Kiran, il faut prendre ses stocks sans se faire attraper. Parce que si on se fait attraper, ça risque d'être des pourcentages en pagaille. Wow, qu'est-ce qu'il fait? Non, on fait pas ça. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 39% on prend. Allez, je te fais pas attraper par la. Par la royauté là. Oui voilà, c'est bien, c'est bien. On vole, on dash, on saute, on fait des trucs, mais on se laisse pas. Joli cette tech. Bien couvert par Kirby en même temps. Et on va s'en sortir. Dernière stock pour Kiran. Sur destination finale. Alors il me semble que sur les flottis il y a quand même de quoi lâcher des combos assez violents. Oh c'est bien couvert, c'est bien couvert. Oh il manquait pas grand chose. Ça couvre l'air dodge et le back air. Stock pixel perfect de l'ami Kiran. Il va falloir couvrir ça maintenant. Non c'est pas réussi. On trouve un autre back air. Et on est toujours dans la game. Il faut toujours pas se faire grave par contre. Se faire grave c'est instantanément défaite. Il y a des choses méchantes qui se passent. Oh putain, ça reverse en plus. Oui, oui. Attends, ok, de smash. Le navet. Waouh, waouh. C'était fait très très proprement de la part de Kiran. Et là, il a de quoi prendre cette game. Le nerf. Oh, dommage. Il est en train de jouer son match en plus. Eh, le petit Dalil touffe là. Vas-y, je viens commenter ce banger. Allez. Ça va aujourd'hui? Bah, ça va toi? Ça va. Bien, nickel. Ah bah après une victoire sur X69, comment être triste? Bien joué, hein. On va jouer en braquette encore. Là. Bah ouais, trop bien, j'ai trop hâte. Ouais, let's go. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va. Ah, Dalil qui a les mêmes braquettes à chaque fois, hein. Vraiment, 6ème seed. Et il joue soit Dokkuk ou tout. Ouais, il va jouer. Il doit kiffer venir en wiki. Hein. Il va jouer tout, là, c'est sûr. À sa place, j'enverrai juste un petit MP à tout en lui disant netplay par semaine et puis je viendrai pas en wiki, tu vois. Ouais, c'est ça, quand même. Clairement. Bon, par contre, il nous sort un petit. Petit combo bien. Ouais, c'est, là, c'est du bon gros Kiran, là. Non, regarde, tu vois. Ça envoie des petits shines. C'est un joueur de Falco, donc il va y avoir un smash qui va arriver bientôt, je pense. Wow. C'est une prédiction. Ah, c'est un joueur de Falco. Ça, c'est un joueur de Falco, voilà. Ça, c'est Falco. Ça, c'est fair game. Y'a pas qu'il y a plus deck, on tout fait Dali. Ah, bonne question. Ouais. Bah, y avait Touf ici tout à l'heure pour record son match et il était pas content quand il a vu son match. Mais en plus, c'est putain. Ouais. Ouais, je pense qu'ils en ont plein le fion. Yo, Kokoken. Il y avait tout le monde. Voilà, ok. J'ai pas vu le smash du coup. Bah il l'a fait mais sur le shield une fois qu'il était respawn de l'Angel Platform. Ah ok. Oh putain mais ça c'est encore du Rico de Falco. Oh là, oh, ok ça va. La réussite, c'est... Franchement il y avait moyen que Kirby il prenne la stock. Oh ok, il y a quelque chose. Ok. Ah ça tue dans l'air voilà, peut-être. Bien joué. Voilà, c'est propre. Zibil de Kog, j'ai vu le début, pour le moment ça a l'air assez genre. De Kog il est très bien. Ah ouais? Ouais, il connaît le matchup et tout. Je sais pas s'il connaît spécialement le matchup, mais il menait 4 stocks à 2, genre bien. Ok. Zibil avait battu paf! Ouais. Dans Zibil, je pense que c'est le réel Aiden Boss, tu vois. Mais ouais, il est chaud Zibil, hein. On le voit jamais, mais il en va. Hein. Ok, le petit down smash, 30%. Allez! Il prend un der, redown smash, c'est bon, on en voit. Non, c'est un spécialiste Kirby de. Ah bah, il connaît son jeu. Hein. Les meilleurs down smash, toujours. Meilleur down smash de Lyon. Bien sûr. Quel joli fer ici de Kiran.
Après on a essayé de sortir, on se prend une pause start. Recover, ok, c'était loupé, mais vraiment pas grand chose pour Kirby ici. A chaque fois, l'air dodge hein, qui. Il arrive un peu à la gérer avec ses. Oh non, le joueur. Oh non, go. Mais bah voilà. C'est encore c'est une Kieran classique encore. Et en plus, il y a un Monsieur Saturne. Mais c'est terrible. Oh, mais encore un dodge smash, il arrive encore à 44%. Ça fait 3 fois qu'on voit ce pourcentage. Toutes les stocks sont les mêmes, mais il est. Air dodge très très bien Kirby. Ouais. Oh là là, ok. Il va falloir commencer à la hard call out. Mettre, je sais pas, un, charger un smash, un truc comme ça. Il va falloir trouver le kill parce que, ah, ok, c'est bon, le kill a été trouvé. Mais il faut dire à Kirby, dire, tu arrêtes de faire cette air dodge, j'en ai marre. Tu ne peux pas la faire à chaque fois, il faut que tu travailles pour trouver quoi. Clairement. C'est là, en tout cas, la stock, est-ce que Kieran va réussir à être clutch? On sait qu'il peut le faire. Il faut qu'il reste calme, il a les lasers pour jouer. Il a 5 minutes pour jouer. Alors, c'est les 5 minutes, bon. Bon, à mon avis, on est encore là pour 15 secondes, tu vois. Ouais, ouais. Oh là là, oh, ok, ça commence à combo. Ah, dommage, il a pas de tech chase derrière. Si, il était pas prêt. Il est parti. Ok. Ça se pèse bien, il est à deux doigts de se prendre un truc et là normalement c'est mort. Ouais, logique. Et là la DI est dure. Hein. Ouais. Mais il faut SDI vers le bas. Ouais, ok, d'accord. Tu vas SDI vers le bas comme ça. Ouais, essayer d'échapper le truc. Oui, ok. Le mec touche pas et tu peux refaire un EB derrière. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que vous faites après ça d'après vous? Bah, bonne question. Tu portes ton score déjà là. C'est en cours, c'est en cours. Je ne vois pas plus de ces singes. Ah, ils sont chauds ce soir. Oh là là, ça chauffe, soigne et Vlad, ça joue. Allez les puntos, le touf d'Ali. Un touf d'Ali, là, ça pourrait bien. Attends, ils vont en avoir main. Ah mais oui, il a joué contre Gandorf, il a battu Gandorf, ouais j'avoue. Ah ouais. Ouais. Avec son Falcon, il a joué Falcon, je crois. Un touf d'Ali, ça me paraît bien, le stream. Je pense. C'est qui a battu Gandorf? Bah, Exi. Exi. Ah, stylé. Bah, du coup, il y aurait potentiellement y avoir un Dokkog Exi après. Ouais. Ou alors un Castiel Victor. Aussi. Pour faire jouer un peu les losers on avant. Voit. Ouais. Allez, on envoie un Castiel Victor sur le stream. Bon, allez, alors il faut que tu sélectionnes les trucs. Ouais. En plus, Castiel est juste là. Ah oui, attends. Tu vas dans le stream. Voilà. Si t'arrives à Victor, je sais pas.